Tout de suite, Steve Chenel, on a envie de découvrir des nouveaux visages et de s'intéresser au local, à cette équipe Team Macadam Cowboy. Je pense que vous êtes avec Hélène. Exactement, je suis avec Hélène et exactement une locale. Et le président Laurent Ganglione, je parlais de Laurent, voilà, qui fait un gros bisou à la concurrence. Vous êtes à domicile, alors c'est vrai qu'ils ne sont pas Vosgiens. Tout à l'heure, ils ont dit que les Macadam c'était Vosgiens, mais c'est tout comme. On a des Vosgiens. Ah, ils ont des Vosgiens d'équipe. Mais franchement, faire un championnat de France à côté de la maison, pour toi Laurent, j'imagine que c'était génial. Et puis de suivre voilà, une concurrente avec ce beau maillot. Raconte-nous un peu ce chrono et puis cette ambiance un petit peu sur le parcours. L'ambiance top. Il y a vraiment du monde malgré le Covid. Il y a du monde tout du long, ça encourage. Ça crie, ça soutient, non, c'était bien. Puis j'avais du monde derrière qui m'a aussi pas mal poussé. Donc c'était un beau moment à vivre. On est à la maison. Maintenant, il est exigeant. Tout le monde dit qu'il est roulant, mais moi je trouve qu'il est quand même vallonné. On est dans les Vosges quand même. Donc, pour ma part, à mi-parcours, j'ai commencé à galérer, quoi. C'est tout, c'était comme ça. Mais bon, il ne faut pas regretter. Je ne regrette rien. J'ai donné ce que j'ai pu donner. Puis on verra bien le résultat. Je pense qu'il n'est pas terrible. Mais c'est pas grave, on va s'accrocher et puis on s'arrachera le coup d'après encore plus. Et justement, parle-nous un petit peu de cette équipe, du Team Macadam Cowboy, parce qu'on a parlé de, forcément de l'équipe masculine, du côté organisateur avec Laurent, du côté du Tour de la Mirabelle. On sent que c'est une équipe, voilà, on se prend pas la tête, on est au maximum sérieux, on essaie de bien faire. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est surtout passer de bons moments. Ouais, c'est une équipe, on va associer mot équipe à famille, je pense. Hein, on va mettre équipe famille, c'est vraiment l'objectif du club. Oui, on veut performer, oui, on veut du monde, on veut, voilà, on veut prendre du monde avec nous dans le voyage. Mais il faut que ça reste une famille, ça reste sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais, c'est ça. Sérieux sans se prendre au sérieux, c'est un peu la baseline du club depuis longtemps. Et on aime ça. Il faut être sérieux, il faut s'entraîner, il faut être performant, il faut performer. Et à la fois, il faut garder ce côté un peu familial et ce côté un peu d'esprit d'équipe et de team building version professionnelle, parce que c'est aussi ça qui fait avancer, c'est ça aussi qui donne envie à d'autres de nous rejoindre et de continuer l'aventure avec nous. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux parce qu'après, on rejette les choses. Merci à vous et on se voit samedi. Hein. Merci. Samedi. Et bonne chance aux autres cow-boys. On a encore du monde. Caroline, Mélanie et Maëlle Savignard. J'en avais raté une alors. J'en avais croisé que trois dans l'ascenseur ce matin, donc je pensais qu'elles n'étaient que trois, mais elles sont bien quatre. Merci Steve. Jackie, ça ne bouge pas sur les différents temps, la ligne d'arrivée et le passage après 11 km. On dit Bécourt d'ailleurs, on dit pas Baïcourt, on dit...